Bonjour, voici un album, un triptyque fait pour la naissance d'une petite Amalia. C'est une demande qui m'a été faite par une amie. Donc j'ai toujours la collection Little Baby Elephant de chez F Déco. J'y ai mis un Il était une fois, que j'ai passé trois fois. Là, on peut y mettre une photo. Sinon, l'idéal, ça serait de mettre le petit éléphant sur le voilà dessus. J'ai utilisé, sinon si on veut y mettre une photo, ben on utilise ce gabarit et puis on met sur la photo, donc pour avoir les bonnes dimensions de la photo. Bon, mais perso moi je préfère ça, je le préfère avec l'éléphant dessus. Voilà, j'ai mis un biberon, une perle en forme de cœur, des petits stickers, un nœud. On peut y glisser des tags, trois petits tags avec des petits mots à l'arrière. Je mets ça sur le côté. Voilà. Hop, on va mettre ça ici. Sur le côté, j'ai mis le prénom Amalia. On ouvre, première chose, une cascade. Enfin, pas une cascade, des volets. Hop, on ouvre. Ici, j'ai mis un petit nœud avec un. Enfin, une fleur que j'ai créée avec un bouton. Alors, moment magique, on ouvre, on a les volets. On a plusieurs, je pense qu'on peut mettre une trentaine de photos, j'ai pas calculé. Là, on ouvre comme ça. Voilà. On découvre encore quelque chose et on a encore ici un volet avec une photo. Voilà. Hop, on ferme. Il faudrait que je vous dise combien on peut y mettre la photo. Là, j'ai mis un ruban. Ici, on peut y mettre la photo ici. Donc, on peut y glisser. Normalement, la photo peut passer en dessous. Attendez. Hop. Je vais prendre ça. Hop. Voilà. Et faire glisser la photo en dessous pour mieux la coller. Pareil de ce côté-là. Juste en dessous. Ici, de bas. Hop, pardon, le bavoir ainsi que les chaussettes où on peut y mettre la photo. J'ai fait des dimensions 16 par 13 normalement, donc on peut y mettre, c'est pour y mettre des photos standards. Voilà, exception faite de l'autre côté. Alors ici, on a la cascade. Voilà, je vais pas trop insister, je vous montrerai ça après. Hop, 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 faut bien remettre. Voilà, ici. J'ai mis une carte de la collection. On ouvre le ruban. On y découvre un petit mot, genre tendresse, enfin douceur ici, avec des étoiles que j'ai rajoutées, un nuage là-bas, rose et une montgolfière. Toujours pour être dans les étoiles. Alors là, j'ai mis des photos en verticale, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sinon. Donc voilà, on peut en mettre également ici, de chaque côté, et ici également. Là, je crois qu'on peut mettre 8 photos verticales. Hop, on ouvre, c'est aimanté. Ici, on ouvre. Hop, on a un pop-up. Voilà. Ici. Alors, ce qu'on peut faire ici, normalement, c'est que j'ai mis un tampon avec qu'on vient mettre ici, en horizontal, ici. Sur lequel sera indiqué le nom, le poids, enfin toutes les informations relatives à la naissance. Donc voilà. Là, on peut également y mettre une photo, ainsi que des tags, des petits mots, des tags et des photos derrière si on veut. Bon bah, j'espère que cela leur plaira. J'ai fermé. Hop. Voilà. Je vous montre. C'est vrai. Je vais peut-être vous montrer l'extérieur que j'ai pas. C'est pas montré. Hop. Hop. Et voilà. J'ai fait velours parce que je trouve que c'est sympa. Velours blanc, blanc cassé pour un bébé, c'est sympa. Bon, ben j'espère que ça va leur plaire. Et puis je vous dis à bientôt. Pour un indice, le prochain album, je crois qu'on parlera sorcellerie. Allez, à bientôt!